sécurité. Voilà. Je me permets de vous inviter à porter. Là, les conditions sont plus favorables. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le Président, de vous recevoir au Quai d'Orsay ce matin, certes un peu tôt, parce que nous sommes extrêmement sensibles au fait que vous ayez souhaité partager ce moment de signature avec le gouvernement de votre beau pays. C'est suffisamment rare pour que nous en ressentions et nous en éprouvions un grand honneur et un grand bonheur. Et avant que nous procédions à cette signature, si vous voulez bien, Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler qu'au cours du premier semestre 2009, la France, et vous le savez, a fait le choix sans hésiter et peut-être dans un certain isolement d'annoncer la poursuite de toute sa coopération pour Madagascar. Les liens historiques que nous connaissons tous, qui sont si forts, la proximité géographique par la Réunion et Mayotte entre nos deux pays lient en effet leur destin dans l'océan Indien et cette proximité nous enchante. C'est ainsi que se sont poursuivies toutes les activités de notre coopération pour le renforcement de l'état de droit comme pour le soutien aux initiatives de la société civile. L'aide alimentaire a été augmentée et l'aide budgétaire suspendue par les bailleurs de fonds a été réallouée au financement d'actions dans les secteurs sociaux ou en appui à des réformes essentielles comme le programme national foncier, par exemple, ou encore en direction du secteur productif comme les reconstructions agricoles post-cycloniques dans le sud-est, et puis aussi au travers de l'aviation civile, en direction d'Air Madagascar, l'expertise française a pu être mobilisée. Les programmes d'investissement dans les ports de Diego Suarez et de Morondova, entièrement rénovés aujourd'hui, la construction en voie d'achèvement d'une nouvelle centrale électrique à Mayunga, les programmes de construction et de renforcement des capacités dans les secteurs de l'éducation à Farafangana, mais aussi de la santé, et enfin la poursuite d'un vaste programme agricole national appelé bassin versant périmètre irrigué dans trois régions de Madagascar. Telles sont les principales réalisations tangibles de ces dernières années. Des appuis ont aussi accompagné les initiatives du secteur financier et des entreprises. Une nouvelle société financière, Solidis, dédiée au financement des très petites entreprises a pu voir le jour. Le fonds de garantie malgache a été renforcé. Plusieurs institutions de microfinance rurale ont été soutenues dans leur expansion. Des garanties apportées aux banques ont facilité le financement des investissements et la création d'emplois dans une cinquantaine d'entreprises de votre pays. Des programmes dits de renforcement des capacités commerciales ont soutenu dans la crise économique internationale et malgache la mise à niveau et la compétitivité des entreprises exportatrices de Madagascar et ont entretenu, dans des moments parfois difficiles, l'attractivité touristique de votre beau pays sur les marchés étrangers. Aujourd'hui, à vos côtés, Monsieur le Président, à l'appui des opportunités et face aux défis qui constitueront le socle du rebond de Madagascar, il nous est donné de sceller de nouveaux engagements et d'en entrevoir d'autres encore. D'abord, relever le défi social, mais aussi mieux exploiter tous les ressorts économiques de l'agglomération urbaine, venant compléter les projets de gestion des déchets déjà en œuvre dans l'agglomération dite du Grand Tana. Le projet Lalan Kelly apportera à plus de 600 000 personnes dans des quartiers défavorisés de la capitale et des communes environnantes des infrastructures de base auxquelles elles peuvent légitimement aspirer. Une mobilité rendue plus sûre et plus aisée
80 km de voirie. L'accès à l'eau et à des équipements sanitaires gérés par les communautés bénéficiaires et l'assainissement. C'est l'objet de la convention de don de 9 millions d'euros que nous allons signer dans un instant, Monsieur le Ministre. Renforcer les capacités des pouvoirs publics dans les secteurs clés de lutte contre la pauvreté et de mise en valeur des meilleures ressources de Madagascar, ce sera l'objet de la signature d'une seconde convention de don de 1,1 million d'euros qualifiée de fonds d'expertise et de renforcement des capacités. Elle permettra d'apporter au ministère de la Santé, de l'Environnement et de la Formation professionnelle les appuis techniques nécessaires à la mise au point de politiques et de programmes susceptibles de mobiliser de nouvelles ressources de l'aide française, mais aussi d'autres aides internationales. Enfin, avec la complicité du directeur général de l'AFD, représenté par son adjoint, je crois pouvoir mettre en perspective de prochains engagements par le conseil d'administration de l'AFD en faveur de votre pays. Tout d'abord, et d'ici la fin de l'année, l'octroi de nouvelles subventions de 7,5 millions d'euros devrait permettre d'appuyer la mise en œuvre de partenariats publics-privés dans des domaines clés de relance de l'économie malgache, la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics d'une part, la compétitivité à l'exportation des entreprises de Madagascar et la promotion de son attrait touristique d'autre part. Je crois aussi pouvoir dire que l'Agence française de développement a, entre autres choses, engagé l'instruction d'un nouveau concours sectoriel en faveur de l'éducation, ainsi que celle d'une seconde tranche d'un concours dans le secteur de la santé qui pourrait voir le jour, je le pense, en 2012. Monsieur le Président, par-delà ces réalités et ces perspectives concrètes que je voulais rappeler, je me permets de vous assurer que nos équipes, que ce soit à Madagascar ou ici, s'emploient jour après jour, avec beaucoup de ténacité, à susciter la remobilisation de l'aide internationale en faveur de Madagascar. Les étapes politiques que vous avez franchies le permettent maintenant. Les déclarations très récentes de Mme Ashton et du commissaire Piebalgs au nom de l'Union européenne sont encourageantes et positives et nous nous en réjouissons et je peux vous dire que nous les approuvons et que nous continuons jour après jour à militer dans ce domaine pour que la mobilisation internationale vous permette d'accélérer tout ce service dont la population et le peuple malgache ont un grand besoin, ils le méritent. Nous pensons en effet qu'il est temps de relancer des coopérations dynamiques au profit de toutes les populations devant les étapes clés d'une sortie de crise durable qui viennent d'être franchies. Et je me permets là aussi de le souligner et d'en remercier tous les acteurs. Je veux bien sûr en cet instant faire référence à la signature de la feuille de route qui est intervenue au mois de septembre. Je sais les efforts que vous-même et beaucoup d'autres ont déployés pour que cette signature intervienne. Certes, on trouve toujours que les délais sont un peu longs, mais ce qui compte, c'est le résultat, c'est la mobilisation et c'est le fait que l'ensemble des forces politiques et participer à cette signature. C'est une étape politique absolument essentielle. Et là encore, je crois que ce sera porteur d'espoir pour votre pays. De la même manière, je veux relever la formation récente de votre gouvernement d'Union nationale et la perspective qui se dessine concrètement maintenant d'organisation d'élections générales comme l'on dit, libre, transparente et démocratique, que vous appelez de vos voeux et que vous aurez la responsabilité d'organiser et de garantir au peuple malgache. Voilà, Monsieur le Président,
Vous le savez, nous sommes à vos côtés, attentifs, et nous voulons aussi être actifs pour appuyer toutes les démarches que vous entreprenez avec votre gouvernement pour prendre en compte toutes les priorités que vous avez définies pour l'avenir de votre pays, pour lutter contre les inégalités et pour redonner la confiance et l'espoir à toutes les forces vives de la Grande Île. Je pense évidemment à la jeunesse, mais pas seulement à la jeunesse. Nous voudrions que cette période qui a été difficile pour le peuple malgache, bien soit le prélude à des jours nouveaux et des jours beaucoup plus heureux. Je peux vous dire que nous le souhaitons de tout cœur. Merci.